Laissez-vous entraîner dans la Mecque de la musique souterraine montréalaise, le métro Jean Talon. Une variété de musiciens s'y produisent avec enthousiasme. Mais qu'en est-il des usagers? Apprécient-ils la présence des musiciens du métro? Oh, il y en a des bords. Il y a de moins bords. De toute façon, il faut évoluer, hein? Je trouve que c'est une place où il n'y a personne qui juge, puis c'est pas un concert, fait que c'est vraiment plaisant. Ça amène une belle ambiance dans un métro. Ça dépend lesquels. Il y en a qui chantent bien, puis il y en a qui ne chantent pas bien. Je trouve que c'est fun, ça. Des fois, là, je commence à danser aussi. C'est bien! Qui sont donc ces artistes qui font danser des centaines de milliers de passagers quotidiennement? Mise à jour en a rencontré quelques-uns pour vous. Ça fait, je dirais, un mois et demi, en fait. Mais c'est une expérience que j'adore. Je joue pour faire plaisir aux gens, vraiment. Mon ami Serge Raymond, j'ai acheté une baisse à mon fils, à David. C'est une affaire de famille, tu vois, là. Oui, mon nom. La vie en rose. Ça, c'est ma carte 2011 jusqu'à 2012. Cette carte, c'est celle du R3M, le regroupement des musiciens du métro de Montréal. Stéphane Lemieux est actif au sein de cet organisme créé en 2009. Tout le monde a droit de jouer dans le métro et c'est très bien ici. Par contre, ils se retrouvent un petit peu comme isolés avec leurs problèmes. Mais le regroupement permet d'avoir une voix pour ces musiciens-là auprès de la STM, de faire valoir leurs besoins, leurs désirs, leurs problèmes. La Société de transport de Montréal offre 52 emplacements réservés aux musiciens du métro. Premier arrivé, premier servi. Aux aurores, ils iront fixer un morceau de papier aux pancartes murales identifiées d'une lyre pour réserver leur place. Oui, la compétition est féroce pour jouer dans les souterrains de Montréal. En fait, moi, j'aime cette appellation, c'est des mendiants musiciens. C'est des gens qui ne jouent pas nécessairement d'un instrument. C'est pas qu'ils jouent mal, ils font semblant de jouer. On pense, il y a un joueur d'harmonica qui fait du lip-sync à une certaine station. Il a son radio en dessous de sa chaise, puis il fait semblant de jouer. Nous, on trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas tellement d'endroits pour les musiciens pour jouer. En partenariat avec la STM, le R3M cherche maintenant à bonifier ce système. Dès le printemps, vous pourrez donc voyager au son des étoiles du métro. Donc, les étoiles du métro, c'est un programme entre la STM, partenariat entre la STM et le regroupement des musiciens. Il va y avoir une quarantaine de musiciens qui vont être sélectionnés. Ces musiciens-là vont avoir un accès exclusif à 5 panonceaux. Aussi, ils vont avoir des horaires, ils n'auront pas besoin de se lever le matin pour aller mettre leur nom. Ils auront aussi un site web avec leurs photos et aussi ces musiciens-là vont avoir une grosse bannière là, avec leur nom. Fait que, là, les gens vont passer, ils ne seront pas anonymes, tout le monde va voir le nom du musicien. Avant de remonter à la surface, nous avons tenté d'éclaircir un dernier mystère. Combien gagnent les musiciens du métro? Le lundi, je joue quasiment pour rien. Je suis bénévole. Le mardi, bénévole. Le mercredi, aujourd'hui, je vais faire peut-être au maximum entre 40 à 50 piastres. Le jeudi, bien là, ils ont des payes. En fait, c'est une question qui est difficile à répondre parce qu'il n'y a pas de statistiques qui sont faites. Les musiciens doivent déclarer leur revenu. C'est un revenu, comme toute personne de la société qui fait des revenus, comme tout mendiant aussi d'ailleurs. C'est sûr que quand on pose des questions aux musiciens, ils font toujours des montants astronomiques. C'est sûr, ils n'iront pas dire « j'ai eu une mauvaise journée ». Ils aiment dire qu'ils sont populaires, ils vont dire des gros montants. Et en même temps, s'ils trouvent un endroit où est-ce que leur musique fonctionne bien, où est-ce que c'est bien achalandé, bien, ils ne s'en vanteront pas parce que de la même manière qu'un pêcheur, s'il dit à telle rivière, à telle heure, il y a plein de poissons, bien, s'il s'en va dire ça à la télévision, bien, quand il va revenir le lendemain, il n'y en aura plus de poissons dans son lac. Thank you! Merci beaucoup! Yeah.